monde, on est reparti sur du Evil Genius 2 et on continue notre domination du monde. Je reviens armé de tous les très bons conseils que vous avez laissés dans la vidéo précédente. On va donc pas mal progresser. Alors déjà, j'ai enfin trouvé comment modifier le casino. Vous avez raison, le casino est bien trop grand, je n'aurai jamais besoin de toute cette surface. Donc je vais au moins sacrifier cette partie là pour faire un petit couloir de la mort qui va, vous voyez, essayer de zigzaguer jusqu'à arriver ici. Et pour modifier, en fait, je sais pas pourquoi j'essaie toujours de passer par là, vous voyez, et de cliquer autour, ça ne marchait pas, mais en fait faut juste utiliser ça et c'est bon. En plus, j'ai utilisé cette fonctionnalité dans d'autres pièces, donc je comprends pas pourquoi je n'y ai pas pensé pour le casino. Peut-être dans mon esprit c'était une zone différente, je ne sais pas trop. Alors on va pas le faire tout de suite parce que je n'ai pas encore les pièges pour faire le couloir de la mort, toutes ces choses, et je n'ai pas l'argent non plus, mais on va y venir. Vous m'avez conseillé également au passage de séparer, vous voyez, de retirer la séparation entre la salle de garde et la prison, ce qui est effectivement une très bonne idée. Comme ça, les prisonniers, s'ils s'échappent, doivent passer par la salle de garde. Alors, je ne sais pas comment m'y prendre, mais on va faire le test. Donc, si je retire toi... Non, ça va être plutôt... Il faut mettre un couloir. Je ne sais pas s'il faut mettre un couloir ou si on met plutôt juste une case de plus pour la salle de garde. Prison, arsenal, ouais, c'est toi. Donc, on va te mettre là. Et on va voir si ça fonctionne toujours. Donc, en avant. D'ailleurs, au passage, je vois qu'il y a un petit peu la queue à la prison. Je vais peut-être devoir trouver un moyen de torturer les gens un petit peu plus vite. Okay. Peut-être un deuxième poste de torture serait pas mal. Alors, il y a quand même une place de plus dans la... Oh, il y en a d'autres qui arrivent. Oh là là, c'est... Ouais. Alors, je suis à combien? Je suis à 21 000. Alors, je vais garder quand même mes sous. Voilà, ils ont commencé à casser. Je veux quand même mes sous, garder mes sous, car vous m'avez conseillé de faire une recherche qui a l'air très pratique, très importante. Ok, ça c'est bon. Alors toi, escortez le prisonnier, tu vas là-bas. Ici. On a capturé un agent? Ok. Je sais pas où tu l'as capturé, mais... Ah, peut-être qu'on le ramène. On n'a pas capturé quelque chose là-bas? Non, il n'y a personne ici. Ok, bon. Très bien, donc maintenant... Maintenant, on va retirer ça. Alors, on va passer en mode modification de la pièce. On va vendre. Et on va mettre... Ouais, un mur. Voilà, comme ça, ils sont obligés de passer par là. Et du coup... Toi, on va te déplacer. Et on va te mettre devant. Et peut-être mettre une caméra à l'intérieur de la prison elle-même. Je sais pas si on a besoin... Je vais pas te mettre là-dedans. Si je fais type de salle, prison, élément, non, rien là. Alors j'ai dit que je voulais mettre un deuxième. On va attendre pour le deuxième. Allez, c'est parti. Ouais, très bonne idée ça. Et vous m'avez signalé également dans les commentaires que c'est un élément de batte pour tout le monde. Alors là, ça me dit qu'il y en a 5. Je sais pas si... Là, on est vide. Je sais pas si ça se recharge en fait. Est-ce que ça se recharge? Dans quelqu'un, un suffirait pour tout. Mais là, il m'en faudrait au minimum 2 au vu des choses. Vu qu'on a 6 gars. Bah oui, on a 6 gars et il y a 6 battes de prise. Ok. Donc, ouais, le troisième est en trop. Hop. Mais ouais, bon, on va laisser tel quel. Et alors, oui, la recherche, on a quoi? On est à 24 000. Alors, avant, je voudrais juste, avant de faire la recherche, voir un petit peu les opportunités dans le monde. Ouais, ok, toi, t'es en cours, donc on ne va rien faire là. Ici. On est en train de baisser. Alors, on m'a conseillé de ne pas annuler. Parce que la pop-up dit que l'on va perdre 75% de notre argent investi. Je n'hésite pas à couper ces choses. Parce que je n'investis jamais d'argent dans ces tâches. C'est des tâches gratuites. En tout cas, ça ne demande pas d'argent. Ça demande juste de la main-d'œuvre et du temps. Et je ne récupère pas mes sbires. Mais ce n'est pas un problème. Vu que de toute façon, les sbires ne reviennent pas à la base après une mission. Donc, quoi qu'il arrive, mes sbires sont perdus. Donc, ce n'est pas un problème. Alors, ici, on n'a rien en cours. 15 000 en 3 minutes pour 20 de tension. Et toi, 20 000. Au final, je gagne moins de tension pour l'argent que j'obtiens là. Et c'est beaucoup plus rapide. Bon, bah, on va faire toi. Hop. Ça, c'est une des nouvelles régions qu'on a capturées à la fin de l'épisode précédent. Et on m'a signalé. Ah, l'enquête à Macao. Ok, ça, c'est la quête actuelle pour le passé du magicien. Donc, il me faudrait capturer cette région, l'Asie de l'Est, là, pour la Chine, en gros, pour la voie. Alors, je crois que c'est jouable.
J'ai juste pas assez de puissance d'émission, mais je crois qu'on a arrangé la pièce des émissions pour... Alors, ici. Un petit peu, toi. 15 000. Ça a changé, j'ai l'impression. Bon, bah, on va faire toi. On va envoyer 12 gars pour de l'argent. Et ici. Là, je vais plus avoir de bonhomme à la maison. On va faire toi. Voilà, avec tout ça, ça doit me faire pas mal d'argent. Et donc maintenant, on va faire la recherche que je voulais faire. Vous vous rappelez, je n'ai pas lancé de recherche tout de suite, car je voulais économiser un peu de pépette. Et en fait, j'aimerais augmenter le radiométeur pour faire passer les réseaux criminels au niveau 2. On m'a dit que certaines missions vont rapporter 300 000. Et surtout, je vais pouvoir aller beaucoup plus haut en niveau de tension. Donc ça m'a l'air d'être une excellente chose. Donc c'est parti. Ouais, j'ai bientôt plus d'argent, mais là, avec tout ce que j'ai fait, ça devrait pas être un problème. On devrait remonter tranquillement. Allez, on accélère. Regardez-les, ils ont déplacé la caméra. Ouais, elle a été déplacée, non? Ok, alors je t'ai juste pas mis assez où je voulais, en fait. On va te mettre là, voilà. Devant la porte. C'est beaucoup mieux. Alors, ici, la torture est en cours. Hop, un autre. On continue. Ah ouais, là, c'est vraiment mieux. Et je vais peut-être réarranger la prison également, ou l'agrandir. On va voir. On va voir. Alors, on est à 8000 là. Ouh, l'argent remonte, c'est génial. La recherche devrait bien se passer. Ouais. Une autre interrogation. Je ne fais pas la recherche au passage, la première recherche. Y arriver. Ici, qui nous permet d'avoir la console, qui nous permet d'obtenir les points de... les indices, vu qu'on on capture tellement de gens et on les interroge tous, que au final... Oh. Voilà. Autant. Parfait. Alors, 30 secondes avant l'arrivée du groupe suivant. Pas de personne à la caméra. Est-ce que... Il faut quelqu'un là. Et c'est qui travaille là? Je ne sais pas. Si je fais mode force, ça veut dire quoi? Ça, ils ne disent pas ce que ça veut dire. Les enquêteurs sont arrivés. Ok, bon, ils vont pas tarder à arriver. Ils sont probablement dans le lift là, le machin. Non. Mais... Ouais. Donc, alors, vu que l'on veut capturer la Chine, il nous faut un nouvel endroit dans le poste. Là. Et... On va te mettre ici. On va en mettre 2. Moins 5, on est à 15. Ah, il faut que j'aille doucement avec l'énergie parce que je veux pouvoir retirer tout ce qu'il y a là. Je me demande si je devrais pas juste les déplacer en bas, mais... Alors si je les déplace en bas, le problème, c'est que je vais avoir les machines... Non, je préfère les remplacer par les meilleurs. Ça va me coûter un peu plus d'argent, ça va ralentir notre progression, mais après, on n'aura pas besoin de démonter à nouveau toutes les centrales et tout cela. Alors, les voici. On m'a dit de ne pas sonner l'alerte à chaque fois. La raison que je sonne l'alerte est que ça amène ici les gardes. Oh, regardez, on m'a dit de pas la sonner, vu que dès qu'ils sont détectés par la caméra... Les gardes vont arriver. Le problème, c'est que, ouais, là, il y a un garde contre 5 bonhommes. Ça va probablement mal se passer. Donc, ouais, ils vont agir. Est-ce que les autres gardes vont venir? Mais le temps qu'ils arrivent, on aura des morts. C'est pour ça que moi, je sonne l'alerte, pour être sûr de ne pas avoir ce problème. Alors, on va sortir. Ouais, là, on a perdu quelqu'un. Donc, quand on sonne l'alerte, les gardes se posent là et on est tranquille. Il me faudrait des postes de garde permanents. Pour ne pas avoir ce problème. Allez, les autres gardes sont là. L'avantage par contre, c'est que la productivité n'est pas diminuée à cause de la présence de ces gars. Vu que les gars continuent de travailler pendant ce temps. Ah, et là ils vont passer. Là, ah, ça c'est vraiment une très bonne idée. Alors, je peux faire la même chose ailleurs. On m'a même signalé que je peux mettre, par exemple... Ouais, je peux découper là le long du couloir pour mettre des petites pièces. Peut-être juste mettre des casiers le long. Ce serait une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon... Ou peut-être mettre... des lits le long, vous voyez là, c'est une très bonne idée. Je vais y songer, mais ça va peut-être pas être tout de suite. Alors, par contre, là, j'ai besoin d'un peu plus de stockage de pépettes. Alors. Je peux te poser là, j'espère que je bloque rien. On va te mettre là également. Il va falloir réarranger un petit peu le tout. Voilà, c'est un petit peu plus propre. Il y a moins 15 000. On est à 99% de toute façon. Donc là, on va être plus tranquille. Parce que là, j'ai pas mal de machinations en cours. Donc, alors, ils sont là-dedans. Est-ce que...
Il m'en faudra un deuxième. On va mettre ça tout de suite. Plutôt mettre... Non. Plutôt mettre de l'énergie là. Ouais. Je peux le mettre là. Je pense que je peux creuser ça. Je vais juste vérifier. Sélectionner l'énergie. Ouais, on peut. Non. Non, mais. Pam. Voilà. Je voulais voir si je pouvais faire un chemin vers là-bas. Donc, du coup. Hop. 10 000. Est-ce que ça, ça a bloqué? On peut pas te mettre là, ok. Donc toi, placer ici. Voilà, comme ça on en met deux. Ça a un petit peu vidé le coffre. Mais pas de problème. Oh, un agent s'est échappé. Non, ça... T'es pas allé loin, mon petit. Bon, toi, ah, excellente idée. Escorter le prisonnier là. La recherche, 47%. Ok. Faudrait peut-être un peu plus de scientifiques. On en est à combien en scientifique? Je crois qu'on en a toujours que 4. On a 3. Allez, on va en mettre 4. Même en mettre 5. La science est vraiment importante. Et maintenant, je peux commencer à vendre. Hop, qu'il y a là. Moins 30 d'énergie. Allez, moins 40. Et on va être à 10 en positif. Donc on va se débarrasser de ça. Et donc on a une autre opportunité apparemment. Dans la carte du monde, mais c'est pas grave. Et toi? Voilà. Parfait. Continue comme ça. Et petit à petit, on va avoir une belle salle d'énergie là-haut. Et vous savez quoi? Je vais rajouter encore un tableau blanc. Que l'on va poser... Ah, il faut le mettre contre le mur. Du coup, ça... C'est pas le mieux placé. Ok, pas grave. Du coup, toi, on va te poser là. Un autre tableau blanc. Je peux pas en mettre un autre. Non. Faudrait déplacer ça. Même les retirer parce qu'ils s'en servent pas du tout. Toi, on va te déplacer là. Confirmé. Et on m'a dit dans les commentaires de mettre partout un distributeur de nourriture dans toutes les pièces. Effectivement, c'est une bonne idée. Ouh. De mettre un distributeur de nourriture... Et quelque chose pour l'eau. Comme ça, peu importe où ils sont, ils vont avoir de l'eau à proximité. Et ça, c'est effectivement une très bonne idée. Voilà, je vais le faire partout. Voilà, comme ça, j'en ai mis un petit peu partout. Et les gens vont faire un petit peu moins de déplacements pour satisfaire leur faim et leur soif. Ah, ici, on commence également à être un petit peu juste. Ça va être pas mal. Et on a... Prenons des gars qui essayent de s'infiltrer à nouveau. Que 3 ? Ok, bah allez me les capturer. Et on va se débarrasser du dernier. Tu vois cette musique qu'il y avait là ? J'ai un télé qui en est que 3 ? Il y en a d'autres qui ont dû être retardés, non ? Par le casino, même pas ? Ouais, piège. Alors, plutôt lui. Allez, allez-y, allez-y. Oula. Allez-y. Ouais, ils ont pas l'air pour un. Je suis étonné qu'il y en ait que 3. Il n'y en a pas d'autres qui sont déjà là quelque part. Ok. Et maintenant, on peut capturer donc la Chine. Donc c'est parti. On y va. Je peux même capturer une autre région. Est-ce qu'on a quelque part en particulier? Nouvel âge d'or? Non. Ok. Le magicien. À savoir qu'il y a d'autres quêtes. D'ailleurs, au passage, est-ce que j'ai... Ouais. Hop. Hop. J'ai d'autres plans annexes après à faire. Donc, je sais pas si je capture une autre région ou pas. Ici. Oula, c'est un petit peu haut. Alors, on va essayer de baisser. Non, pas contre de l'argent. Voilà, vous voyez, c'est ces missions que je fais. Que j'annule quand je n'ai plus besoin de baisser le niveau de tension. Qui, elles, ne coûtent pas d'argent. Hein, c'est juste de la main d'œuvre et... Et là également, on est un petit peu haut. Alors toi, ça coûte des sous, donc non. Ah, un agent, elle s'échappe, mais il n'y a pas de problème. Ici, en cours.
Ici, il n'y a rien en cours et on est un petit peu haut déjà. Je pourrais dépenser 10 000 pour ensuite faire... C'est la 15 000? Non, ça vaut pas le coup. Ok. Voilà. On va avoir un petit peu moins d'argent pendant quelques temps, le temps de baisser le niveau de tension, mais on a un petit peu de pactole, donc ça devrait pas être gênant. Alors toi. Hop. Et ouh, la recherche va bientôt se finir. La recherche va bientôt se finir. Voilà. Équipez vos réseaux criminels de postes de radiométer pour bénéficier d'une meilleure puissance d'émission. Okay. Alors maintenant. Ouh, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Mais j'aimerais mettre des pièges parce qu'on veut faire... On va prendre toi. Allez. Ouais, 10 000, ça coûte pas trop cher. Maintenant, on va avoir un autre piège. C'est quoi ça? Quel nom a bu le piéger vos ennemis? Sol glissant. Ah, ok, il y a des bons trucs, mais... il faut, faut faire notre zone de piège. Alors, bah, je vais commencer à la faire, là, tout de suite. Alors, je peux faire un couloir. Si je peux faire un couloir, je peux l'agrandir, normalement. La question, c'est comment m'y prendre. Alors, on va fermer, là. Cette zone ne va plus être accessible. Ouais, il faut la foutre. Tac, donc comme ça. Tac, 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 ça va être un peu bizarre. Mais on va bloquer là. Très bien. On va venir là. Et maintenant la question c'est comment faire le couloir. À moins que je bloque plutôt cet endroit parce que là ce sera plus simple. Ils vont venir comme ça. Mais là je ne saurais pas quoi trop faire de ça. bon c'est pas grave. C'est pas grave, couloir. Du coup. Je vais venir là. Ok. Faut que ce soit du 4x4. Problème, ça devient ça. Ça doit devenir. Comme ça. Et... Voilà le début du couloir de la mort. Alors, je vais devoir déplacer certaines décos, les mettre à l'extérieur. Pas de raison de les vendre, je pense. C'est un peu plus long de les déplacer, par contre. Les gars vont devoir... Mais bon, ça fera plus de décos. Je suppose que la clientèle sera plus contente. Allez. Et le dernier... On va mettre le pot de fleurs là, voilà. Alors, par contre, ouais, pourquoi ça? Je sais pas. C'est plus propre. Donc, tac, 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 j'ai fait creuser un petit peu là, le max que j'ai pu. On vient là, j'ai bien mis 4 d'espace partout pour les pièges et les portes que je veux poser. Alors, la porte là, on va la mettre ici. Ça, c'est fait. Ça va me coûter 9 000. Ouais, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Alors, j'ai pas encore... Oh, il reste encore une plante à déplacer. On va te mettre là. Très bien. Très, très bien. Je me vois bien pas me fermer là. Ou peut-être mettre juste la plainte garde ici, vous voyez. Ça, quand les gars y passent, ils vont être accueillis par les gardes, ce genre de choses. Plutôt que de les poser là. Ah ouais, ça m'a l'air très bien. Donc c'est parti, on va réarranger ça et on démarre le couloir de la mort. Il y a un de mes projets systématiques dans tous les jeux où je peux le faire. Allez. Là, par contre, les sbires vont avoir beaucoup de boulot. Et on en a 52 sur 56. On a 26 d'énergie. On va utiliser un petit peu... Ça, côté recherche, on fait quoi? Ah oui, on fait un piège en recherche. Et c'est quoi que j'ai fait ma dernière? Ah oui, le faire passer au level 2. Donc pendant qu'il s'occupe de là, j'aimerais voir pour passer au level suivant. Genre si je sélectionne... Toi, t'es en cours, mais genre si je... Ouh, c'est pas suffisant? Ouh! Ah, ce que j'ai fait, c'était pas pour la recherche de passer au level 2. Alors, on va regarder. Non, ça c'était pas de la recherche, c'est les radiométeurs. C'est là pour la recherche, pour le faire passer au level suivant. Et pourquoi? Et pour... Oh, d'accord, et donc il faut faire ça, puis ça, zut. Ok, bon, on va terminer la recherche du piège, puis on va faire les deux là. Ah, je me suis fait piéger, j'ai mal lu le descriptif, et donc je suis puni. Je me suis basé sur l'icône, plutôt que sur le descriptif. Et ouais, alors du coup, on a normalement une nouvelle chose à placer dans cet endroit. Si on regarde,
Ils disent bien équiper vos réseaux criminels de radiométeurs pour augmenter la puissance, mais je vois pas trop où le radiométeur se pose. Ah, alors la capture est là, bah tiens, alors c'est le moment. J'ai pas assez de scientifiques. Il en faut 6. Ouh, donc on va en faire. On va en demander 6. Allez, un de plus pour aller là-bas et j'aurai plus de scientifiques après. Mais bon, on va terminer la recherche là avant. Donc ça va être parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous attaque là pour le moment? Par contre, c'est moins joli hein, d'avoir le couloir de la mort là. J'aimais bien la couleur rouge avant. Dommage, on peut pas personnaliser le sol. Ah, capturer. 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 Et toi? Voilà. Allez, élimine-les vite. Ou plutôt... Je veux pas qu'il meure. Donc ça, c'est le danger, en fait, là, maintenant. Ah, lui, c'est rendu. Et lui, c'est rendu. T'es trop bon. T'es trop bon. Alors, je vais t'envoyer récupérer ton énergie pour le coup d'après. Ah, là, on a un scientifique en formation. Et maintenant, on est à 98%. J'attends d'avoir les deux derniers pourcents. Et je vais les envoyer en mission. Et du coup, je vais l'envoyer au passage... Lui, pour... Ah, voilà. Accéder aux recherches. Alors, on a dit, toi, ça va coûter juste 10 000. Toi, tu vas là-bas et tu vas accélérer la formation des scientifiques. Très bien. Mais, alors, je suis désolé, j'ai lancé une recherche, mais là, ce que l'on veut, c'est passer à la quête suivante. 10 indices. Ouh, j'ai cru que ça m'a été marqué 101. Ouh. Allez-y, les bonhommes. 6 scientifiques partent. Un agent s'est échappé, pas de problème. Ils sont à peine arrivés qu'ils sont déjà commencés à s'échapper. Alors toi. Et lui. Détermination. Zéro, go. Alors les scientifiques sont là. 1, 2, 3, 4. Ah. Ils vont dans l'hélico. Et... Ah, 4 sur 8. Ah, il y en a d'autres qui sont là. Attends, d'accord. Ah non, c'est bon, c'est juste que j'avais plusieurs... Ils doivent aller au Japon d'abord. Apparemment. Ou non, ici? C'est quoi l'autre job alors? Ou alors il faut deux allées. Ils peuvent pas envoyer assez de gars d'un coup, je sais pas. Ah, ils y vont. Pour la recherche, la formation a dû démarrer. Ouais. Alors, je vais attendre que celui-là finisse sa formation et je vais utiliser népotisme pour le suivant. Voilà. Allez, il me faut un autre sbire, s'il vous plaît. Personne n'est dans la base. Ouais, qui nous infiltre. Ah, lui arrive, sa formation. Motivé. Non, non. Pas celui-là que je veux. Ok. Voilà. Et un autre est bon. Là, tu retournes récupérer de l'énergie. Il me faudrait vraiment que je débloque la, la recherche qui me permet d'avoir plus de points, qui me permet de faire deux compétences de suite, parce que là, c'est pas assez rapide. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a terminé une machination, mais ce n'est pas celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va mettre des pièges. On va mettre des pièges. Est-ce que je peux mettre une caméra déjà ici? Ouais. Une là. Une là. Ça utilise un d'énergie, ça, non? Ok, ça utilise un poste. On va les mettre dans les deux premiers ou dans les... Allez, là. Voilà, comme ça, là, tu vas faire là. Vers toi, je sais même pas si j'ai besoin d'elle. Si on regarde. Ouais. Ok, ça devrait faire l'affaire. Maintenant, les pièges. Alors, on va te mettre. Tu vas être accueilli par ça. Double coup de poing. ça utilise 2 d'énergie, purée. Ici, après, il va y avoir ça.
J'utilise également 2 d'énergie. Donc là, on va en utiliser 10. Et un rayon givrant. Ouh, peut-être commencer par le rayon givrant, en fait. Un peu cher, lui. Ça a coûté 42 000, cette installation. Oh la vache. Ok, mais bon, c'est ce qu'il faut. Allons-y. Couloir de la mort démarre. Génial. Allez, des gens vont se soigner. Ici. La recherche est en cours. Parfait. Et je voudrais voir où on en est. Du coup, toi, t'as 43%. Toi, semblais t'avoir demandé de... 5000 pour virer 5 ans. Oh ! Allez, on va le faire. Comme ça, c'est fait rapidement. Et on relance pour la du gain d'argent. Voilà. 20 000. Oh, tout ça, ça me va. Un agent a été capturé. Là, on a bientôt fini. Bientôt plus d'énergie. Ici. 50 000 en 35 minutes. Exécuter la machination. Voilà. Bah, t'es en cours. Ah, tellement de choses à faire, c'est complètement... Ah, ah oui, non, j'ai cru que c'était des ennemis. Est-ce qu'on a de l'infiltration là? Non, j'ai pas l'impression. Pas l'impression. Donc, eux vont partir faire leur boulot. Et là, j'ai un problème avec les caméras. Il n'y a pas assez de gens ici. Il faut des gardes, je pense, là. Donc, on va demander plus de gardes. Je sais pas trop ce que c'est. Donc on va demander plus de gardes, on va en demander 2 de plus. Voilà. Parce que là, il me faut des gens qui s'occupent de ça. Ça, tu t'occupes de combien de caméras? Je sais pas combien ça inclut. 3. Et on en a 1, 2, 3, 4. On a 4 caméras. Donc ah, les gardes normaux peuvent s'en servir. Du coup, je vais devoir agrandir la salle là. Et mettre un autre... éléments à leur arsenal, oui. On va te mettre là. Et dedans, un autre poste de sécurité. Ah, je vais pas avoir assez d'énergie, donc on va mettre à l'étage inférieur. On a l'argent. Un de plus, et je vais partir ce qui est à l'étage tout de suite. Parti. Ouh! Ah, on est pas mal. Alors là. Ah. Est-ce qu'ils sont revenus avec quelqu'un capturé là? Chou, aïe. Plus haut. L'hélicoptère est là, je sais pas ce qu'il me rapporte. Hmm. Ah, on a un garde de plus. Donc lui se fait torturer. Ah, un piège a été activé. Ok, ça a baissé leur vitalité, mais c'était pas suffisant. Et ils sont plus que 3, est-ce que les autres sont morts ou... ou est-ce qu'ils sont venus juste à 3, c'est la question. Ah! Ah lui il essaie de fuir, pourquoi? Le moral est à 0, ah, va-t'en mais... Oula alors lui... Ok. Donc là-bas... Poum. Poum. Oh. Recherche terminée. Vos bières peuvent rassembler des indices. Ok. Ok. Alors, pause parce que je veux pas rater. Donc là, level suivant. 20 000. Ok, on va attendre un petit peu. Boum. Voilà, ça t'apprendra. Ok, donc il y en a probablement quelques-uns qui sont morts sur le chemin. Ah, c'est génial. Allez. Tu vois là-bas. Et alors, ce que je comprends pas, c'est qu'on avait fait la quête, mais j'ai pas l'impression. Donc si on retourne, on m'avait dit que c'était là.
Bon, on va déjà baisser le niveau. Moins 53 ouvriers, ça va être parfait. Toi, là, on est bon. Il n'y a rien d'autre à faire. Ok. Toi. Est-ce que j'ai un autre endroit où aller pour la quête? Assister à la conférence. Ok. On va devoir capturer cet endroit. On peut le faire, on a la technologie. Ensuite. Ok, donc ça c'était peut-être un autre objectif. Je comprends pas, j'ai pas fait gaffe en fait. Je vous ai fait confiance, j'ai pas trop lu le texte en fait. Voilà. Également. Bon. On est reparti. Notre torture, on est à 23 000, on va remonter bien en argent. Allez, 24 000, du coup. Hop. On va passer au level suivant. Ah, c'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il n'y a pas de scientifique sur place. Ok. Alors, avec deux bonhommes aux caméras, on est bon. C'est génial, et apparemment on a une nouvelle opportunité, ça veut dire quoi ça? Ici c'est toujours pas capturé. Là on a quelque chose en route. Ils vont là-bas. Ah oui, ils sont toujours en train de s'occuper de ça. Ouais, c'est bon. Ok, bah plus qu'à attendre de capturer cet endroit, ça prend un peu de temps. Ah, ça y est. Et maintenant, ouais. Maintenant, on va pouvoir aller à la... Ouh, 6 ouvriers, 2 gardes, 2 domestiques, 2 techniciens. Alors, je viens d'augmenter le nombre de techniciens pour réparer plus rapidement. Il faut également 10 indices, les indices, on en a suffisamment. On va y aller, mais je crois qu'il y a encore un autre... Ouais, ils doivent aller au nord. Donc ça, ça va nous rapporter pas mal d'argent. On est à 41 000, c'est génial. Oula. Ah, alors, capturer... Capturé, capturé. Toi tu meurs, toi tu meurs. C'est reparti, c'est reparti. Oh génial. Alors là on va bien voir. Ah, glacé, glacé. Génial. Oh, tu tires sur qui? Hey. Est-ce que ça peut en toucher plusieurs ou c'est qu'un seul par piège? Pas mal. Mais c'est tout. Alors les gardes arrivent, les gardes arrivent. Bah là ils sont bien affaiblis donc je me dis... ça va pas être trop dur. Avec vos matraques. Hop, matraque-le. Ouh, j'ai perdu mes deux gardes. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il va falloir reformer les gardes. Il y en a un qui est mort. Je crois qu'il y en a un qu'on devait capturer qui est mort. Ou alors il a déjà été emmené. Non, il y en a un qui est mort. Ok, sûrement par les pièges. C'est pas grave. Pas grave. Alors là, le problème, ouais, c'est... Ouais, on a déjà deux gars qui s'entraînent pour de passer au niveau suivant. Ok, alors on est à 57 000 et je vais faire quelque chose que vous m'avez demandé. Donc c'est, on va mettre là une chambre. Ou plutôt, hop, comme ça. On va pas la faire trop longue. Si je viens jusque là, ça va me coûter combien? C'est ça la question. 28 000, c'est peut-être un tout petit peu trop. Donc on va... Alors, c'est pas toujours évident. Tac. Voilà, on va la faire de cette longueur pour le moment. Et en fait là... On va juste mettre ça. Ouais, je peux mettre ça là. Vu que c'est pas un endroit que je peux vraiment me servir. D'ailleurs, pas même... Déplacer... que l'on a déjà, vous voyez, pour libérer là-bas la chambre. Pour des lits. Ou la chambre, le dortoir. Voilà. Et ça va faire l'affaire pour le moment. Génial. Vraiment, vraiment génial. Alors ici, je me vois bien en fait fermer là et mettre les incinérateurs là, vous voyez. Juste mettre les incinérateurs ici.
Mais je sais pas si les gars vont pas essayer de rentrer dans la salle des incinérateurs en pensant que c'est la salle d'énergie. Je sais pas comment ça va fonctionner ça. Mais si je mets ça là, je vais pouvoir vraiment me débarrasser des cadavres rapidement plutôt que d'avoir mes gars hein, qui font le zigzag. Ce qui est peut-être pas forcément le plus optimal. On va essayer et on verra. Alors. Réseau criminel level 2, c'est ce que je voulais. Bah parfait. Et maintenant on va faire d'autres pièges. Alors maintenant qu'on a ça. Bumper de flipper. On va essayer. Allez, bumper de flipper. Allez. Hop. Et toi. Donc maintenant on va dans le monde. Et par exemple, le plus proche. Ah, donc là t'es en cours de quelque chose. Là toi t'es trop de. On peut te faire. Ah, il me manque de la puissance d'émission. Ben, ça ce n'est pas un problème. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que là, fou, là, si je continue, je vais avoir un épisode vraiment trop long. Alors, le jeu est toujours giga fun, on va continuer, hein, pas de problème, on va continuer à se développer. On va passer au level 2, là, j'ai le début du couloir de la mort. Vraiment plein de bonnes choses. Et du coup, bah, je vous dis à bientôt dans l'épisode suivant. Pensez, pas dans l'épisode précédent, non, dans l'épisode suivant. Pensez au petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et on se retrouve sur la chaîne. Bye bye.